Salut à tous, bienvenue sur Avis Pragmatique. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des réfrigérateurs avec une revue approfondie de 5 modèles impressionnants. Si vous cherchez un nouveau compagnon pour votre cuisine, restez avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de qualité. C'est parti! Commençons avec le numéro 1, le réfrigérateur Bosch. Ce réfrigérateur congélateur propose la technologie Low Frost, rendant le dégivrage un jeu d'enfant. Les clayettes porte-bouteilles et les 3 clayettes de classement facilitent le rangement. Avec la technologie de répartition d'air brassé à l'intérieur du réfrigérateur, vos aliments restent frais plus longtemps. Passons au réfrigérateur Chic. Ce modèle offre une technologie Total No Frost, un compresseur inverté ultra silencieux, seulement 41 décibels, et une capacité généreuse de 351 litres. Des fonctionnalités intelligentes, économiques et efficaces. Découvrons maintenant le réfrigérateur combiné LG de 341 litres. Avec la technologie Total No Frost, un compresseur inverter et des fonctionnalités comme l'éclairage soft LED et la classe énergétique. A plus, il allie capacité et efficacité énergétique. Entrons dans la technologie avancée avec le réfrigérateur Higher 3D 70 Series 3. Ce réfrigérateur de 70 cm de large offre un tiroir de congélation innovant, des Fresher Techs pour préserver la qualité des aliments, et une classe d'efficacité énergétique E pour économiser l'énergie. Terminons avec notre cinquième réfrigérateur, le Respecta Bento, un réfrigérateur congélateur rétro offrant 171 litres dans le compartiment réfrigérateur et 42 litres dans le compartiment congélateur. Son design rétro et 16 fonctionnalités pratiques en font un choix élégant. Voilà notre tour d'horizon de ces 5 réfrigérateurs. Chacun a ses atouts, des technologies innovantes au design rétro. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style. Dites-nous dans les commentaires lequel vous préférez. Merci d'avoir regardé et à la prochaine sur Avis Pragmatique.